Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou n'est pas encore fixé sur son avenir à l'UFC. Alors son combat tant attendu face à Tyson Fury est encore dans les tuyaux. D'ailleurs, dans cette optique, il est parti à la rencontre d'une légende des rings qui pourrait bien l'aider à progresser rapidement. Francis Ngannou se remet toujours de sa grave blessure au genou, et il n'est pas plus avancé que ça sur son avenir. En effet, il sera agent libre dans moins de 6 mois. S'il ne trouve pas d'accord contractuel avec l'UFC, les discussions ne semblent pas forcément avancer dans le bon sens. Rien ne fuite dans les médias, c'est à se demander si des discussions ont même lieu. Quoi qu'il en soit, il ne devrait pas manquer d'offres. En effet, il est incontestablement l'un des plus grands noms dans le monde du MMA et l'un des plus divertissants poids lourds de l'histoire. Les fans savent qu'un seul de ses coups de poing peut endormir n'importe quel adversaire, raison pour laquelle il devrait le suivre où qu'il aille. La balle sera dans son camp, il reste en position de force. Et si aucune organisation d'arts martiaux mixtes n'arrive à le convaincre, le Predator pourra toujours se lancer dans la boxe, où un combat avec l'ancien champion du monde Tyson Fury pourrait l'attendre. D'ailleurs, dans cette optique, le Camerounais a décidé de rendre visite au plus grand rival du Britannique, à savoir Deontay Wilder. L'occasion pour eux d'échanger quelques mots, et peut-être même quelques conseils. Francis Ngannou et Deontay Wilder sont deux des combattants les plus puissants de tous les temps. Cette rencontre au sommet a donc suscité la curiosité de tous les fans sur les réseaux sociaux. Et si certains ont vu cette vidéo comme un rapprochement dans l'optique de faire tomber le Gypsy King, d'autres se sont enflammés sur un potentiel combat. C'était notamment le cas d'un fan qui a déclaré « Ce combat serait bien plus intéressant que Francis Ngannou contre Fury à mon avis. Si Francis Ngannou veut avoir une chance de battre Tyson Fury, il va devoir s'entourer de spécialistes qui pourront lui permettre de combler ses lacunes en un temps record. Et personne n'est mieux placé que Deontay Wilder, boxeur à la puissance similaire à celle du Predator.